Salut salut les amis, c'est Fut for Fun, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, défi création d'équipe, DCE live avec le DCE garantie d'un TOTS d'Angleterre 2. Bon, ce DCE là n'est pas très intéressant, on va se le dire, il coûte pas très cher, il doit coûter 20 000. Donc selon le TOTS que vous chopez, ça c'est intéressant. Mais je me doute qu'ils vont faire ça pour toutes les TOTS. Donc je sais pas encore la semaine prochaine, enfin vendredi, ce qui sort comme championnat. Mais là où ça va être intéressant, c'est quand il va y avoir les gros championnats, Ligue 1, Serie A, etc., etc. Donc moi je vous conseille déjà de garder vos 83, 84, 85, voire 86, parce que je pense que les prix vont flamber. Après je peux me tromper, mais il y a de fortes chances que ça arrive. En tout cas, pour ce DCE là, il fallait un joueur anglais, une note à 83, un collectif à 60. Il faut compter 20 000 crédits à peu près pour ce défi là. Il y a des très bons joueurs en Angleterre 2 en TOTS. Maintenant, est-ce que ça vaut le coup de le faire? Vous me direz. Allez, on commence avec Mathia Perrin, Max Cruz, Daniele Rugani, Super Mario Balotelli. Mais là, vous mettez qui vous voulez du moment où il est italien et qu'il a 82 de général et qu'il joue en Italie. Yann Sommer, mais vous mettez qui vous voulez du moment où il a 84 de général. Edin Visca, James Milner, Asier Ilaramendi, Mikel Oyarzabal, Radamel Falcao, et on termine avec Alvaro Morata. Voilà, je ne l'ai pas fait en concept parce que personnellement il ne m'intéresse pas du tout. Après les autres, je pense que, enfin, selon les prix bien entendu, je les ferai en, pas en concept quoi, en vrai. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager, ça fait toujours plaisir. Nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, prenez bien soin de vous. Ciao les amis!